Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette deuxième démonstration. On est jeudi au Hall 6, au Salon Création et Savoir-Faire. On est sur l'espace live animation du stand artisan. Le stand artisan, lui, se retrouve en D046. Et on parlait tout à l'heure d'aquarelle, mais là, il est midi et quart et on se retrouve pour une démonstration de broderie or avec Martine Biessy. Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente d'être aujourd'hui avec Marie-Gabrielle pour donc une démonstration de broderie or. On en a déjà parlé depuis pas mal d'années. C'est vrai qu'on en fait depuis... C'est le premier cours de broderie or, il doit dater d'il y a 5 ans, peut-être, oui, 4 ou 5 ans. On en parlera plus tard. Voilà, ce qui nous reste, on a fait plusieurs fois de nombreuses rééditions du premier Absolument. Cours et du premier coffret qui était lié à ce cours. On nous en reste quelques-uns, si vraiment vous voulez commencer par un coffret extrêmement débutant et que les motifs vous plaisent particulièrement. Mais là, on va aussi surtout, dans une seconde partie, parler du nouveau cours qui est un petit peu plus intermédiaire et qui propose de nouveaux modèles. Exactement. Donc, non seulement des nouveaux modèles, mais également des nouvelles techniques et des nouvelles fournitures. Donc, ça est une progression par rapport à tout ce que l'on a déjà pu vous proposer depuis tout ce temps. Donc, quand je parle de... On peut parler déjà peut-être des modèles. C'est toi qui les as dessinés. Oui, les montrer. Alors, on est resté dans une thématique cabinet de curiosité. C'est vrai que dans le premier coffret, et vous, si vous vous posez la question, on est là. Vous retrouvez le dessin des... Enfin, vous retrouvez en fait les broches qui sont exposées sur notre stand, donc en D046. On avait une lune, une abeille et un oiseau. Exactement. Et là, on est toujours dans cette idée de cabinet de curiosité avec la libellule, la cigale et puis le cœur ex voto juste ici. On est sur des teintes un petit peu différentes, plutôt alors argentées, or rose, un petit peu plus froid. Donc, vous voulez aussi changer du premier coffret. Des teintes qui sont quand même qui redeviennent assez à la mode en ce moment. On délaisse un petit peu le doré. Et donc, on a aussi des matières complètement différentes, puisqu'on a évidemment Kanti Jazron. Oui, tu vas en parler. Oui, j'en parlerai parce qu'on a aussi changé un petit peu nos Kanti. On a des qualités différentes. Hein. Complètement. Absolument. Et on a introduit le simili-cuir. Ouais. Voilà, qui nous fait des petites choses. C'est ce qu'on voit là sur les ailes de la libellule et également sur les ailes de la cigale. Mais également de la soutache. La soutache qui, finalement, est-ce qu'elle peut dire que c'est un ruban, un cordon? Comment, absolument, comment c'est on doit ça. Dire en fait, c'est une passementerie. D'accord. C'est un cordon qui sert à la passementerie. Alors, on le distingue parce qu'il a un petit canal au milieu, en quelque sorte. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, une petite tresse. Je pense qu'on va pouvoir le positionner bien ici, voilà. Comme ça, la caméra du dessus. Peut faire un petit détail. Donc, en fait, ça, c'est un petit cordon qui est assez plat, un petit peu large. Donc, il y a aussi toutes les tailles et toutes les matières. Donc, ça peut être de la soie, ça peut être du polyester, du coton. Celui qu'on retrouve dans le kit, je ne sais plus quel est. Ça doit être de la soie. Ça doit être de la soie, il vient de chez Mokuba. Alors, donc, c'est de la soie. C'est de la soie. Et donc, vous voyez, il y a ce petit canal au milieu qui fait qu'on sait que c'est de la soutache. Voilà. Donc, maintenant, des très belles matières. Oui, toujours, c'est vraiment super. À chaque fois qu'on développe des coffrets où on travaille avec des marques et des fournisseurs qui ont vraiment un vrai savoir-faire. Donc, une très belle soutache, hop, voilà, de chez Mokuba. De chez Mokuba, et on la retrouve dans le cœur. C'est cette petite fourniture-là qui est positionnée sur la base du cœur et qui se positionne plutôt à cheval, en quelque sorte. Comme ça, ça apporte vraiment un jeu de texture sur ce modèle. J'avoue que c'est un peu mon chouchou. Et que quand tu as... Je t'avais dessiné un peu le dessin du cœur et quand tu m'as renvoyé des photos sur tes premiers prototypes, tu avais fait cette proposition avec la soutache, parce que moi, je ne pensais pas du tout à cette fourniture. Je la connaissais à peine, d'ailleurs. Et j'étais là, waouh, mais c'est vraiment trop beau. Enfin, y a un jeu entre le métallique, on va en parler après, du traditionnel jazzeron et Kanti. Et Kanti.
Et puis le côté beaucoup plus doux, un peu chatoyant comme ça du ruban qui reflète aussi bien la lumière puisqu'il est en soie. Peut-être qu'on peut parler, parce que tout le monde se pose la question quand vous passez devant notre stand en D046. Vous vous dites, ah mon Dieu, c'est magnifique, qu'est-ce que c'est que ces petites perles? Alors, eh bien déjà, ce ne sont pas des perles. Alors, c'est de la canti. En fait, les deux principales fournitures que l'on va utiliser en broderie or, c'est la canti, qui vient de chez Nilam. Ils sont présents aussi sur le salon aujourd'hui. Donc, on a de la canti frisée, ce qui est celle-ci, et de la canti lisse, qui est par ici, je l'attrape, voilà, donc vous voyez la différence, c'est, voilà, ça, comment ça se, c'est assez mou, c'est vraiment du ruban métallique. Voilà, c'est un ruban métallique et en fait c'est creux et ça va se poser comme une perle, je vais vous montrer par la suite. En canti, on a maintenant sur ces nouveaux kits, celle-ci qui est la canti torsadée, alors c'est exactement le même principe, hein, c'est également creux. Et c'est également très souple, mais elle a un aspect un petit peu différent. Et on a celle-ci qui est la canti velours. Donc ce sont les deux-là, les deux nouvelles qu'on a introduites sur les petits modèles-là. La même chose, alors elle a un aspect velours un petit peu différent. Donc ça, ce sont les canti, ce que l'on utilise en fait pour faire du remplissage dans le motif. Et on a le jaseron, qui est cette fourniture-là. Alors, la différence du jaseron, c'est qu'il est nettement moins souple. Et en fait, on ne va pas le poser, il n'est pas creux. C'est comme un ressort, en quelque sorte. Et on ne va pas le poser comme la canti en passant une aiguille à travers. On va le poser avec un point de boulogne. Et lui est beaucoup moins souple. On peut lui faire prendre des formes. Il va rester, par exemple, si vous voyez, si je le plie, il va rester plié. Alors que la canti, elle ne se plie pas, elle est vraiment toute molle et si on la plie, on l'abîme, quoi. Ça ne reste pas. Voilà pour ce qui est des fournitures. Donc le simili-cuir, c'est celui-ci. Oui, complètement. C'est celui-ci. Et la soutache, on vient d'en parler. Oui. Voilà, on a besoin également de fils qui est fourni dans le kit. Ça, c'est fourni dans le kit. L'aiguille est fournie dans le kit. Les aiguilles adaptées sont fournies dans le kit. Vous aurez besoin, bien sûr, de tambours à broder. Donc, moi, j'utilise du 12 cm de diamètre. J'aime bien... Pardon, Marie-Gabrielle, je passe devant toi. Alors, j'aime bien utiliser ces petits serre-joints qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Et donc, je travaille en mettant mon tambour à cheval, comme ça, sur la table. Ce qui permet d'être solidement fixé et surtout d'avoir les deux mains libres pour broder. Et donc, ça nous évite d'avoir le gros métier à broder professionnel. Et vous voyez que même sur un 12 cm de diamètre, vous pouvez y aller, ça ne bouge pas, quoi. C'est vraiment la solution efficace et rationnelle pour faire ce genre de choses. Voilà, c'est même indispensable, hein. Il faut avoir ce genre de d'outils pour pouvoir travailler. Voilà. On a besoin après de stylos friction, des choses habituelles. Hein. Et ce qui est fourni dans le kit, c'est alors, aussi tout ce qui est la partie textile, puisque tu travailles finalement... Oui, allons-y, c'est quand même plus parlant. Soyons fous. D'ailleurs, magnifique petite boîte. Hein. Oui, alors c'est vraiment le cadeau à glisser sous le sapin, puisque les packaging, on a repris les motifs. Je te laisse le détailler, tu le connais mieux que moi, je Donc, crois. Donc, vous avez hop, le petit livret avec à la fois les patrons, comme ça que vous allez pouvoir décalquer. Les explications pour accéder au cours vidéo, puisque comme dans tous nos kits, le cours vidéo est évidemment inclus dedans. Donc voilà, vous avez la canti, le jaseron, enfin toutes les matières, les quelques perles, les supports, puisque on vous les monte comme ça, mais ce sont des broches. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de les monter en broche si c'est une finition que vous n'aimez pas. C'est possible de les monter en barrette, en suivant un peu tes explications. Il doit y avoir moyen assez facilement Oui, tout à fait. En fait, il suffit de fixer, au lieu de fixer le support de broche,
de fixer le support, une des bêtes, ça s'achète hein, ouais. Dans les magasins de loisirs créatifs. Ça pourrait être fixé, enfin il y a broche, moi j'aime bien aussi les présenter sur les tambours à broder, tout simplement. Donc en fait vous allez, une fois que c'est terminé, bon peut-être un peu plus petit que celui-ci, un 10 cm de diamètre suffirait, mais en rentrant l'organza au dos, je sais que je l'ai fait, c'est des jolis petits cadeaux pour... Ben voilà, moi, pour mes petites filles, j'aime bien, c'est des choses qui restent, ça se met dans la chambre, ça, j'espère que ça les suivra tout au long de leur vie. C'est cabinet de curiosité aussi, puisque oui, on peut avoir le mur de cabinet de curiosité et avoir ce genre de petites choses avec. Les petites perles, évidemment. Et puis, ben, justement, tu parlais d'organza. L'organza, oui. C'est ce que tu as choisi voilà, en de fait, broder là-dessus. Exactement. Pour quelle raison ? Ben parce que c'est très souple, mais c'est très solide aussi. On peut vraiment passer les aiguilles et tirer fortement sur cette matière, alors qu'elle est extrêmement fine. Et c'est vrai que quand on fait les broches aussi, que ça ne fait pas d'épaisseur, parce qu'ensuite on rabat tout ça vers l'intérieur. C'est expliqué d'ailleurs dans le oui. cours vidéo. Vous avez bien sûr toute la partie broderie, sur les finitions. Mais également la partie définition. Donc ça, c'est vraiment très adapté pour la broderie or. Ensuite, ça, c'est le dos de la broche, j'imagine. Oui. Un petit peu de papier thermocollant, enfin de la colle, et puis le simili-cuir. Et un peu de feutrine pour tout ce qui va être les parties rembourrage, puisqu'on voit qu'il y a vraiment un travail de mise en volume et mise en relief sur certains éléments, notamment surtout le cœur, on le voit là, le corps, et là énormément la cigale. Oui, c'est la cigale qui est la plus rembourrée, effectivement. C'est là qu'il y a le plus de bourrage. Donc le bourrage, ça vous donne des épaisseurs. Ce que je voulais dire aussi, on n'a pas dit en introduction du cours, c'est que, en fait, c'est assez impressionnant. C'est vrai qu'on se dit, oulala, mais c'est super technique, je ne vais pas y arriver, c'est vraiment compliqué. En fait, non, c'est totalement faux. La broderie or est très minutieuse. Alors attention, à notre niveau, hein, je parle hein, sur ce que l'on fait là en broche, en loisirs créatifs. Après, bien sûr, il y a des choses beaucoup plus techniques. Mais sur ce qu'on vous propose chez Artesane, ça reste tout à fait accessible, bien sûr. Et donc, c'est beaucoup plus impressionnant que difficile. Je le dis souvent, il faut être minutieuse. Ça, c'est impératif. Il faut être patient, patiente. Hein. Enfin, il faut vraiment se dire, bon, je me pose et je m'y mets. Quoi. Il faut avoir du temps. Faut pas avoir trop de perturbations externes quand vous faites de la broderie or. Mais c'est vraiment accessible, même sans savoir broder, en fait. On n'a pas besoin de savoir broder pour se lancer dans la broderie or. Et de mon point de vue, c'est vraiment nécessaire de passer par le premier cours chez Artesane, hein, qui est en fait celui-ci, avant de s'attaquer à celui-ci, qui est un niveau intermédiaire. Donc, essayez de ne pas sauter les étapes, sauf si vous en avez fait par ailleurs. Là, pas de souci, lancez-vous, quoi. Mais si vraiment vous ne connaissez pas cette technique, que vous débutez, que vous voulez vraiment découvrir, je vous conseille quand même fortement de démarrer par cette boîte, par ce coffret. Voilà. Mais surtout, n'ayez pas peur de vous lancer. D'ailleurs, je crois qu'on peut dire qu'on a d'excellents résultats, parce que, comme on a dit, ça fait bien 3-4 ans qu'il existe. Ça fait 4 ans et on a vu quand même beaucoup petites lunes, d'abeilles, beaucoup d'élèves se sont lancés. Sur les réseaux sociaux. On est sûr de notre affaire. Voilà, donc n'hésitez pas. Quoi. Et c'est vrai que ça fait un super cadeau de Noël. Complètement. Ouais. Les deux, même. Hein. Les deux boîtes, les deux coffrets. Oui, l'ensemble, super cadeau. Voilà. Alors, on peut peut-être, oui, commencer à voir un petit peu comment on pose ces fameuses matières, avoir un peu un aperçu. Alors, on ne va évidemment pas, là, en 40 minutes, tout faire, ni tout voir, les différentes poses. Non, non, non. Mais tu as pensé à t'as sélectionné, préparer un petit peu peut-être le déroulé un peu, grosso modo, du cours. Hein. Donc, oui. La première chose, c'est que on va décalquer le motif. Donc, comme vous avez vu sur le livret, vous avez les dessins. Donc, vous allez décalquer. Avec, il n'est pas rouge, mais on utilise ce genre de choses qui est en fait en broderie maintenant, c'est couramment le stylo friction de chez Pilote qui part à la chaleur, c'est l'avantage. Ensuite, on va poser généralement les bourrages et le jaseron. Donc quand je parle de bourrage,
Tu nous as présenté la feutrine rose tout à l'heure. C'est ce qui permet de donner du volume, en fait, à la broderie. Il y en a énormément sur, la cigale. Il y en a un petit peu sur la libellule et il y en a un petit peu sur le cœur. Vous voyez, il y a deux parties de bourrage. Et ensuite, on va poser ce fameux jaseron. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente là sur la cigale. Alors, je positionne mon tambour à broder avec mes petits serre-joints. Hop, tant qu'à faire, je vais essayer de récupérer mon aiguille. Voilà, donc comme je vous le disais, le jaseron, c'est cette matière. Si on peut-être je vais me mettre là, ce sera peut-être plus facile, ou ça brille là peut-être, voilà, comme ça. Et c'est un ressort en quelque sorte. Quand on va le poser, on va l'étirer, avant de le poser, l'étirer pour espacer un petit peu les spires. Le ressort, il est formé de spires, comme ça, enroulé, hein, comme vous regardez un ressort. Donc on va l'étirer pour espacer un petit peu les spires, pour pouvoir passer notre fil par-dessus à cheval au coin de Boulogne. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé déjà cette petite cigale et je vais tout simplement sortir à l'intérieur avec mon fil et repiquer par-dessus à cheval en espaçant mes points. Alors, je m'y remets, j'ai pas tout à fait... je vais te demander mes bonnes lunettes là parce que... Oui. C'est, vision voilà, parfaite. La vision parfaite. On est bon. Ça ne s'améliore pas avec le temps. Alors, est-ce que je ne me mets pas trop devant aussi? Ça, c'est... Je crois que c'est bon. Ouais, je ne sais pas où est la caméra. Je n'ai pas de retour. Moi, je crois que je vais quand même garder les autres. D'accord. On va y arriver. On va y arriver, ouais. On règle la vision. Allez. C'est du live. Ouais, non, c'est mieux comme ça. Alors, voilà. Donc, je vais passer à cheval sur mon jaseron. Et je vais faire des petits points d'environ tous les 5 mm pour le poser comme ça, tout du long. Hop là. Et je vais venir. Alors, c'est pas difficile, vous voyez, hein, rien de compliqué. C'est juste, ben voilà, un petit peu long. Il faut de la patience pour le faire. Alors, j'avoue que vous voyez probablement beaucoup mieux ce que je fais que moi, là, devant mon ouvrage. Où j'ai pas forcément les bonnes conditions de... Oui, c'est parce qu'il y a le plus simple, là. On te demande ça. Oui, en fait, oui, ce que je disais, bon, c'est sûr qu'il faut avoir une bonne vue ou des bonnes lunettes. Hein. Pour moi, c'est la même chose. Mais aussi un bon éclairage, parce qu'en fait, oui, la cantine et le jaseron brillent un peu. Et bon, là, j'ai des éclairages que je ne peux pas régler, mais chez moi, j'ai vraiment une lampe, ce que j'appelle les daylights, la lumière du jour. Et ça, c'est idéal, même pour tout type de broderie, en fait, oui, même pour tout type de travaux manuels, on va dire. Hein. C'est un investissement important. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas difficile, faut se poser, faut être tranquille, faut être dans de bonnes conditions pour réaliser ce genre de broderie. Voilà, donc vous avez compris, le point de Boulogne, eh ben, c'est je sors, je passe par-dessus la fourniture et je repique de l'autre côté. C'est un point qu'on fait comme ça tout du long, en travers de la broderie du jaseron, pour fixer l'ensemble. Et d'ailleurs... Ah, voilà. Et d'ailleurs, vous voyez que je l'ai même posé en premier sur la... Eh ouais, c'est avec les lunettes, c'est pas facile. Je l'ai même posé en premier sur la feutrine. Hein. Donc, quelles que soient les épaisseurs, on peut malgré tout poser du jaseron. Enfin, tu vois, là, au niveau de, ouais, de ma petite... Le jaseron, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt utilisé pour les contours, pour redessiner, oui, une forme. Ah oui, exactement, exactement, exactement. Et d'ailleurs, sur la cigale, en premier lieu, on va poser le bourrage. En deuxième lieu, on va poser le simili-cuir et ensuite le jaseron. Voilà comment ça va s'organiser. Ensuite, on pourrait faire, alors, on s'était dit... Un peu de canti. Un peu de, oui, effectivement, parce qu'on a vu la pose du... Voilà. Alors, bah, écoutez, je vais vous poser un peu de canti frisé, qui est en fait la plus simple à poser. Je vais la poser en semi. Alors. Parce qu'elle permet les erreurs un petit peu. Enfin, je me souviens. Oui, parce que... oui. En fait, la grosse différence entre... Alors, la cantille, je vous rappelle, vous avez la cantille lisse qui est celle-ci.
Et la cantine frisée, on va prendre la basique, hein, qui est celle-ci. Donc, vous voyez les aspects. Celle-ci est vraiment très lisse. Et en fait, celle-ci, l'avantage que là, c'est que c'est un petit peu élastique aussi. Donc, vous allez comprendre pourquoi elle est intéressante. On va devoir couper à la juste taille, hein, la juste dimension, les cantis. Alors, si on se trompe avec la frisée, ben, ce n'est pas très grave parce qu'en plus court, en plus long, elle va s'adapter. Par contre, la cantis lisse, elle n'a pas beaucoup d'élasticité. Elle n'en a quasiment pas. Et donc, il faut vraiment la couper juste à la bonne dimension. Et c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué à poser. La cantis frisée, on va la poser en semi. Donc là, je récupère mon petit pâté. J'utilise des ciseaux qui ne sont pas mes ciseaux de broderie. Ce sont des ciseaux qui me servent juste pour ces fournitures qui sont quand même un petit peu métalliques, hein, métalloplastiques pour la plupart. Et donc, ça n'arrangerait pas mes ciseaux de broderie. Donc là, je les ai sacrifiés, coupés plus très bien. Et vous voyez, vous allez en couper en fait pour en faire, on pourrait dire, des perles. Hein. Oui, finalement. Hein, finalement, c'est ça. Hein. Voilà. Donc là, semi, j'ai pas besoin que ce soit très long, vous voyez, j'ai même pas besoin que ce soit parfaitement régulier, je peux faire différentes tailles sans dépasser, je dirais 2 mm, 2-3 mm. J'ai mon aiguillet qui est prête, voilà, et je vais le poser quelque part par là. Donc là, je sors, je fais un petit point de maintien, de départ pour juste pour consolider mon nœud. Je fais des nœuds sur cette broderie, hein, parce que déjà le dos sera complètement recouvert par l'accroche de la broderie, enfin de la broche. Donc on s'embête pas. C'est pas très grave. Extrêmement... Non, voilà. Bon. Voilà. Et là, écoutez, je travaille comme pour les perles. Donc je sors mon fil. Je vais aller attraper un petit bout de canti qui se trouve là sur mon pâté. Et je vais aller repiquer. Et là, je vais poser ma canti dans toutes les directions. C'est-à-dire comme un semi, en quelque sorte. Vous voyez ? Voilà. J'accompagne bien mon fil. Pour pas que ça s'en mêle de trop, voilà. Et donc ça, tu peux peut-être montrer, c'est le cœur. Tendre, hop. Et là, en semi, c'est vrai que ça attrape particulièrement bien, hop, je vais le mettre juste à côté, la lumière. Oui. Parce qu'on a toutes les facettes de la canti qui arrivent dans tous les sens. Et donc, oui, du comme coup, on y a la vraiment pose, un jeu voilà. De texture et de lumière qui est hyper... hyper beau. Et sur un des modèles, on a fait celui-ci, les ailes de la cigale, on a fait des mélanges en fait de canti et de couleurs, donc ça attrape vraiment la lumière et il y a vraiment une texture et comme une nouvelle teinte qui se crée avec ce type de pose. Donc, c'est hyper beau, voilà. Hyper festif et il y a un effet waouh tout de suite avec la pose de la cantis frisée alors qu'elle n'est pas très compliquée. Non, franchement, voilà, c'est du remplissage en fait. Hein. Il n'y a vraiment rien c'est de... C'est minutieux, il y a un certain temps de pose. Voilà. Hein, on ne va pas se le cacher. Voilà, mais c'est vraiment... Mais ça n'a rien de compliqué. Ça n'a rien de compliqué. Ensuite, on a parlé de la cantis frisée, on peut partir sur la cantis lisse. Donc, ce que je vous disais, pourquoi la cantis frisée est beaucoup plus facile à poser. Alors, attendez, j'ai tourné un tout petit peu mon tambour que je sois bien en face. Hop là. Donc, sur ce petit cœur que je vais poser là, comme ça, vous le voyez en même temps, vous avez à ce niveau-là, sur mon bourrage, une cantis frisée et deux cantis lisses côte à côte, d'accord, qui sont posées dans l'axe de mon cœur. Hein, ok. Donc, ce que je vais faire, là, j'ai emmené mon fil, hein, je suis passée en travers. Pour ma canti frisée, je sors à l'intérieur là, de mon motif, je vais prendre ma canti et je vais mesurer. Vous vous souvenez que là, j'ai coupé des petits morceaux de 2 mm, grosso modo, comme ça, sans me poser de questions. Mais là, je vais mesurer en fait la longueur qu'il me faut pour couvrir cette distance-là. Hein. Donc, je suis bien dans l'axe de mon cœur. Hein. Donc, je sais que je vais couper quelque part par là, voilà. Et théoriquement, si je ne me suis pas trompée,
Non, alors, jamais, Martine. Mais il y a des solutions quand on se trompe. Hein. Je les explique dans le cours, d'ailleurs. Voilà. Je vais venir poser. Alors, vous avez vu, j'ai passé mon aiguille à l'intérieur de ma cantine comme à travers une grande perle, un grand tube. Et je vais venir juste recouvrir donc, la surface que j'ai à recouvrir. Je vais me positionner à côté. Je sors mon aiguille. Là, si je veux, je peux faire un petit point de maintien. Simplement comme ça, à l'intérieur, il ne se verra pas. Et je me positionne à côté. Et là, je vais faire le même travail avec ma cantilis. Si tu veux que je me trompe, remarque, je te dis, je peux me tromper, mais je ne suis pas obligée de me forcer. Déjà, toi, je me prends dans mon... Hop là. On peut faire un petit rattrapage d'erreur. Oui. On a le temps, en tout cas. D'accord. Alors, ma cantilis, hein. Je vais venir la positionner à l'endroit où elle doit se trouver et je vais venir la couper. Alors, si elle est trop courte, c'est clair que je ne peux pas récupérer. Hein. Par contre, si elle est un petit peu longue, je peux toujours recouper de 1 mm juste pour qu'elle soit parfaitement adaptée à l'espace où elle doit être posée. Donc, vous voyez, je passe mon aiguille à travers. Alors, c'est là que... Ouais. C'est là qu'il me faudrait une lumière adaptée. Vous voyez, ma cantilis, elle est sur mon aiguille, là. Et donc, elle est creuse, hein, vous avez maintenant compris. Et je vais venir la poser ici. Et alors, c'est là que, par exemple, je me dis, oula, ben, elle est trop longue. En l'occurrence, non, elle est à la bonne distance. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vous la ressortez un tout petit peu de votre aiguille. Ben, vous coupez ce qui est en trop et vous la remettez en place. Voilà, mais elle pardonne nettement moins les erreurs par rapport à la cantilis frisée, ben parce qu'elle n'est pas du tout élastique. Voilà. Et donc, vous allez recouvrir comme ça en alternant une cantilis frisée, deux cantilis, une cantilis frisée. On le voit bien ici. Oui, elle est là. Les jeux entre les deux coloris, les deux types de cantilis surtout. Exactement. Et ce que j'ai fait aussi, c'est... Alors, pareil, bon, là, je termine pas. Hein, c'est une démonstration. Donc, je vais venir me mettre ici. Et... Dans les intervalles de ma soutache, je vais venir également mettre à peu près une petite longueur de cantilis. Ouais, je veux bien, ouais. Il finit par glisser. Voilà. Hop. C'est à peu près 1 cm, on va dire. Mais je mesure directement sur mon ouvrage. Hein. Donc là, je sors. Dans la pointe, là, dans l'espace que j'ai entre mes deux cantilis, entre mes deux sous-taches, enfin, mes deux parties de sous-taches. Alors, reviens par ici. Et là, je vais la poser ici. Voilà. Et ça va combler ce petit espace de lumière par-ci, par-là. Exactement. Exactement. Avec le ruban. Voilà. Et là, on a 3 petites perles aussi, hein, qui sont aussi intercalées dans la cantilis. C'est ça qu'on en retrouve au niveau des yeux aussi des animaux. C'est vrai que les perles apportent un peu de volume aussi et qui font de cette pièce vraiment quelque chose d'hyper magique, d'hyper habillé, et qu'on a envie de la mettre sur n'importe quelle robe noire, ça va tout de suite venir l'éclairer. Faire de l'effet, ouais. Là, on a posé aussi la cantilis en damier. Donc, bon, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais vous voyez, on a alterné la cantilis rose, la cantilis sable, la cantilis rose. Voilà, donc ça, c'est une technique qu'on aborde aussi dans le cours. Bien sûr, là, sur la libellule, on a posé la cantilis sur le corps. Donc, simplement des points lancés, hein, les uns côté des autres. C'est un passé plat, en fait. Hein. C'est un passé plat en cantilis. Complètement. Voilà. Et donc, après, dans le cours, tu montres aussi comment broder le simili-cuir, comment faire la pose de la feutrine pour avoir tous ces bombés, parce qu'il y a plusieurs épaisseurs à certains endroits. Et puis, quelque chose de très important, c'est dans quel ordre on fait tout ça, puisque c'est ça aussi qui va faire que l'ouvrage est réussi ou pas. C'est le bon ordre de pose et...
pour avoir les finitions les plus jolies. Absolument, les plus oui, parce que là, effectivement, c'est une démonstration, donc je vous ai tout fait dans le désordre, on va dire, mais dans le cours, dans tous les cours, même dans le premier coffret, donc on prend élément par élément, et donc on démarre de rien, c'est-à-dire de l'organza nu, et puis on part le dessin, les bourrages... étape par étape, tout est bien détaillé, tout est bien montré dans de meilleures conditions qu'ici d'ailleurs, parce que pour le coup, je vois clair. Et donc, vous êtes vraiment tenu par la main tout au long du travail. Quoi. Qu'est-ce qui... Voilà, j'ai l'impression que mon micro est encore parti, non ? Ou pas ? Un petit peu descendu, mais ça va aller. En le remettant. Oui, c'est pas... Je Hop crois là. Que ça va. Ça va aller. Bon. Voilà, peut-être sur l'oreille, le remède bande, je ça sais va pas. Aller. Bon, écoute, ça devrait aller. On va finir comme ça, j'ai l'impression. Ah. Alors, le. Le coffret, il est à 69 euros. Eh ouais, mais... 69 euros, je crois, si j'ai bien le prix en tête. 69. Vous le retrouvez. Ah, merci. On m'aide dans le public. Et vous le retrouvez sur le stand ou juste derrière ici. Il est aussi. Ça va. Aussi moi, ça vendu. Va. Hein, c'est... Et donc, vous avez un cours de 2h30 inclus. Dont on peut d'ailleurs montrer les deux bandes annonces. Vous pouvez les envoyer en régie, Marie et Jérôme, les bandes annonces sur les écrans de ces deux cours, notamment du premier, comme ça on reverra peut-être les modèles du premier cours et du premier coffret qui est aussi disponible sur le stand de Création et Savoir-Faire, le 046. Bonjour, je m'appelle Martine Biessy, je suis brodeuse professionnelle et je serai votre professeure de broderie chez Artesane. La broderieur est une minutieuse technique de broderie à l'aiguille, souvent utilisée en haute couture. Elle permet d'orner des vêtements ou de réaliser des accessoires du plus bel effet. Dans ce cours de niveau intermédiaire, je vais vous apprendre à réaliser trois délicates broches brodées, une libellule, une cigale ou encore un cœur ex voto. De la préparation de la feutrine à la pose de la cantille et du jaseron, de la soutache et des perles, en passant par le montage des broches, nous verrons ensemble les gestes précis nécessaires à la broderieur, la mise en place des symétries et les techniques qu'elles requièrent. Ce cours est accessible en illimité, où vous voulez, quand vous le souhaitez. Alors à bientôt sur artesane.com. Martine Biessy, c'est vrai que tu fais des cours, tu as fait beaucoup de cours de broderieur, broderie traditionnelle sur Artesane. Absolument. Mais tu écris aussi des livres, et notamment ton dernier, je pense que c'est le bon moment pour le oui. présenter, parce que c'est un peu une mine d'or. Un comme nouveau il bébé. Porte bien son nom, encyclopédie, et on est vraiment sur une encyclopédie. Absolument. C'est un ouvrage assez voilà. incroyable, je te laisse le présenter. Voilà, donc ça fait 3 ans que je travaille dessus, il vient de sortir, il s'appelle Encyclopédie de la broderie à l'aiguille. Il est sorti aux éditions Erol. Sur le salon, vous pouvez le retrouver chez Artesane, bien sûr aussi. Et j'ai voulu transmettre, écrire dans ce livre tout ce que je connais, tout ce que je sais sur ce que j'ai appris depuis que je suis enfant, puisque moi, je brode depuis que je suis enfant et que j'ai également fait des écoles de broderie diverses et variées tout au long de ma vie. Voilà, donc c'est vraiment de la transmission. Il y a de la broderie, les points de base, de la broderie. Quelques... Oui, vous voulez tu le peux voir Allez. Un petit peu. Voilà. Il a feuilleté sur notre stand. Hein, oui, je ne sais pas si je le tiens si comme ça, si je le pose près. À plat, peut-être, ce sera peut-être plus simple pour la régie. Ah ben voilà, ben là, on est sur. La broderie Renaissance et Richelieu. D'ailleurs, on a un cours chez Artesane aussi. Oui, hein. complètement. Voilà. Alors, qui est sorti au printemps avec voilà. des motifs fleuris. Les, comment dire, le livre et les cours de broderie chez Artesane sont complémentaires, en fait. Hein. Je veux dire, ce n'est pas parce que vous avez des cours que vous pouvez vous dispenser du livre et que vous avez le livre, vous pouvez vous dispenser du cours. Par contre, vous pouvez faire aussi l'un sans l'autre, hein, comme vous avez peut-être fait jusqu'à présent. Mais en tout cas, c'est... Voilà. Donc là, c'est une technique que l'on retrouve aussi chez Artesane, mais toutes n'y sont pas non plus. Hein, voilà, ça c'est des jours, des fonds ajourés sur des petites surfaces. Voilà ce que nos grands-mères faisaient. Je pense que voilà, c'est dans ce livre ce qui m'a tenu à cœur, c'est de faire aussi une bibliothèque visuelle des points de broderie à chaque fin de chapitre. Donc là, c'est le cas des fonds ajourés. Donc la broderie couleur, la broderie blanche,
Un peu de broderie or aussi, bien sûr. Et puis, des motifs exclusifs, évidemment, qui ne sont pas dans les cours. C'est aussi bien de pouvoir ce qu'on a appris parfois dans les cours, réutiliser. Enfin, il y a vraiment absolument. un passage à faire entre les deux. Tous les cours, chez Artisane, c'est toi qui es à l'origine des dessins. Voilà. Alors que là, ben, c'est, pour la plupart, c'est moi qui ai dessiné. Donc forcément, ce n'est pas du tout la même patte. Bien sûr, Marie-Gabrielle est beaucoup notre manière de dessiner. Voilà. Mais du coup, c'est super bien de pouvoir utiliser ton apport technique sur tes dessins. Notamment, il y a beaucoup de fleurs. Celui-ci au point de croix, là, je l'adore. Oui, tu aimes celle-là. Quand j'ai vu la robe lors du lancement du livre, elle est vraiment magnifique. C'est un de mes préférés ouvrages. Et puis, voilà, donc les points de base. Et puis, au départ, vous avez les techniques, les fournitures, le matériel des brodeurs. Donc, c'est un livre qui est en 5 parties, avec l'ensemble des points de broderie classiques et leurs variantes. La broderie couleur, la broderie blanche et les réalisations pour chaque chapitre, avec 3 réalisations en général par chapitre, une frise, un ouvrage découvrir qui s'adresse aux débutants et un ouvrage aller plus loin pour celles qui ont déjà brodé et qui veulent avancer un petit peu avec des ouvrages plus conséquents et plus techniques également. Voilà. C'est à retrouver sur notre stand ou le stand de Erol. Erol, voilà, qui s'en fasse. Donc, moi, je navigue un peu sur ces stands. Vous pouvez me retrouver jusqu'au... On peut faire dédicacer bien sûr. Chez Erol, j'y suis tout de suite après, là, à 13h. Ah, voilà. D'accord. Alors, donc, tu vas courir. Je vais vite aller chez Erol. Donc, j'y suis de 13h à 17h et ça jusqu'à samedi, quoi. Vendredi, samedi. Oui, c'est ça, vendredi, samedi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir... on a pu avoir un petit aperçu de la pose de Jazeron et de Canty pour essayer, comprendre un petit peu les techniques de broderie or. Vous retrouvez les coffrets, le premier et le numéro 2, sur le stand ou juste derrière nous si vous êtes très pressés. Et puis, on se retrouve dans à peu près une demi-heure pour le prochain live qui n'est pas une démo mais qui est une table ronde autour du nouveau livre de CAP Couture Flou, qui est un livre en fait de modèles dans lequel vous avez 10 modèles avec des gammes de montage industriel comme dans ce qui est demandé en fait au CAP Couture. À très bientôt, merci Martine, et on se retrouve dans pas longtemps sur le stand en dédicace, dans les allées du salon. Merci à vous, merci pour votre confiance et à très bientôt donc sur Artisane. Merci. Au revoir à tout à l'heure.